à le protéger, à l'accompagner, et nous ne pouvons pas accepter. Et ça, je le dis, je le répète. Ici, le numéro 1 de la province s'appelle Jacques Kiaboula. On ne peut pas commencer à tenir des meetings, des manifestations à Kinshasa, à Lubumbashi, pour injurier l'autorité provinciale. Et je dis à ce moment-là, le FCC n'acceptera pas et risque de réagir. Deuxièmement, chacun a un chez soi. Ici, dans l'espace Katanga, c'est chez Joseph Kabila Kabange. Nous ne tolérerons plus que quelqu'un vienne. Allez faire vos histoires où vous voulez. Mais quand vous venez, respectez les gens que vous trouvez. Et lorsque nous vous trouvons en train de faire tout un meeting pour injurier le pauvre Joseph Kabila Kabange, qui à 45 ans a accepté d'abandonner le pouvoir et l'alternance a bénéficié à l'UDPS, l'injurier, c'est un manque de respect. Ça, nous ne tolérerons plus et plus jamais. C'est un message que nous donnons et nous disons que nous avons averti. Nous avons averti. Ce qui se passe à Kasumbalesa, j'y reviens. Nous venons d'apprendre qu'on commence à laver les gens, les bisabas. Des féticheurs qui sont venus du Kassai. Un certain monsieur Lumpung, la société civile a toutes les données. La milice est en train d'être formée aussi à Kasumbalesa. Nous en appelons au gouvernement, à la justice militaire, à la justice tout court, de pouvoir faire son travail afin de laisser le gouverneur rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Tel a été l'essentiel de notre message de ce jour. Bonjour très chers compatriotes congolais. Je m'appelle Postolo Fisulumpungu. Je suis citoyen congolais 100%. Je suis né chez nous à Kabinda. Ma mère de Kabinda, mon père de Kabinda, connu de tout le monde, même ceux qui sont en étranger. Bandeko, na monike mboka e baby. Koyoka déclaration. Oyo, et ça l'est mis dans la vidéo, la déclaration pleine de haine tribale et de xénophobie à l'endroit du peuple kassaïen vivant dans l'espace Katanga. Monsieur Kabange Numbi, ex-ministre de la Santé, Urbanisme et aujourd'hui député national, je réponds à ta déclaration pour avoir cité mon nom. À votre messe noire, Bosali ba messe nabino, de bon montaka ba kabal, ou télé miyake zela to tanga komba posto lompo. Monsieur Kabange Numbi, omi ki tisi, tu t'es humilié dans ton tanga kombo nangai, parce que dans le rang, oyo nana zwaka, tu fais la honte maintenant de nos députés qui font la différence dans ce pays. En voyant mon toloko la yo, na rawa la yo sali, ou tanga nangai lompong, na makamba buzoba. Monsieur Kabange Numbi, ce pays nous appartient tous. Ils allient à Oyo, à Pire, à Bafo, à Salité. Ils allient pays à Yon Numbité, Yon Kabange Numbi. Il y a un message à Yon Tribal Azo Pesawana. Monsieur Kabange Numbi, message à Yon Zosala, Azo créer tribalisme, na Mboka Oyo. Au lobby que société civile. Ils allient à ma preuve, Yon Kambo, Yon Tibolobawana. Ngana pour traduire la justice. Au cours de la traduit la justice. Au cours de la traduit la justice. Monsieur Kabange Numbi. Et le coup, yo salingaï. Oh yo lobingaï. Au cours de la traduit la justice. Monsieur Kabange Numbi. Et le coup, yo salingaï. Oh yo lobingaï. Agresser ngaï. Pour menacer ngaï. Pour cela, la réunion nabino. Contre les peuples kassaïens. Ma message ma paix. Il y a tribalisme, il y a haine. Il y a xénophobie contre nous les Kassaïens. Maintenant, nous demandons à notre chef de l'État et tous nos députés nationaux et provinciaux. Mon aïkoti botala bien moutouyou. Papa Oyo a sali 18 ans dans le ministère de la Santé et de l'Urbanisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel modèle, quel exemple qu'il peut nous donner? Namboka Oyo. Il a tout échoué. Ce sont les mêmes gens qui ont tué le système éducatif. Dans notre pays. Ils ont un bon système sanitaire aujourd'hui si leurs enfants sont malades.
Bekolenda Kubulaye, sont allés, Bekolenda pas traité coulé. Bakou qui est traité, Bango Moussika, na poto. Mais nous, tout ça pour en partir. Mais Lélo, Monsieur Kabang et Nombi, moi, Lumpung, je ne suis pas politicien. Je suis un grand leader d'opinion. Nous sommes les combattants de ce pays. En aucun jour, Monsieur Nombi, ce qu'on a fait pour ce pays, c'est beaucoup. C'est connu de tout le monde, y compris mon père. Nous avons défendu ce pays contre des guerres que vous provoquez à des heures, c'est des moments. Et aujourd'hui, ce sont les gens qui tuent les Congolais qui veulent nous montrer les exemples. Monsieur Nombi, on a fait y'a les haïa, au salisson, au salisson, au salisson, et le poil au sali. J'invite la communauté tant nationale qu'internationale d'ouvrir l'œil face à cette situation créée par M. Numbi. Les députés, même le chef de l'État, nous demandons votre inscription pour Makambo Oyo, pour l'union réagir à problème Oyo, parce que ça ne va pas. Avec des choses pareilles, ça ne va pas. Nous sommes des Kassaïens, tous les Nazambe. Pour attirer son identité, tout cela créer ma Kassaïenne, tous les mal, on fait porter toujours les Kassaïens. Non, ça j'ai dit non, je condamne toute l'énergie. Monsieur Kabang Enombi, je vais vous porter plainte avec votre société civile. Vous avez Bola Kisabiso, Bola Kisabiso, ma preuve, Oyango Lobby, société civile, Bola Kisabiso Nango, aux yeux du monde entier, Mamona. Je vous remercie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais. Je remercie nos très chers compatriotes qui nous ont appelé à l'Abisso, nous en papa Mbolabino, pour partager vidéo, dans ma groupe, vidéo, les cabanes et nous, nous avons créé xénophobie contre nous, le peuple kassaïen. Ce que moi j'accuse aujourd'hui, c'est moi, l'homme qui parle de ça. Merci beaucoup.